Radio Côte d'Ivoire, les sports d'ici et d'ailleurs. Et oui, c'est l'heure de la matinale des sports. Il est installé. Fernand Kouakou, bonjour. Bonjour Rachel Logo et bonjour à tous. Football africain, la SEC Mimosa dans le top 50 des clubs les plus populaires sur les réseaux sociaux. Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info de sport, madame, messieurs, bienvenue à tous. Alors, au sommaire de cette matinale des sports, à JO Tokyo, après le report de l'événement en 2021, la FIFA permet à chaque sélection qualifiée de conserver dans son effectif les trois premiers joueurs bonus de 23 ans qui auront 24 ans au moment de la compétition et de sélectionner trois autres athlètes pour le rendez-vous japonais. Quel commentaire face à une telle décision et qu'attendez-vous des sélections africaines? Eh bien, c'est votre sujet dans un mix. Mais avant, lutte contre le coronavirus au Brésil. Zico Falcao et d'autres légendes du foot brésilien au secours des favelas. Merci à vous, Rachel Logo. Mais avant, un tour au kiosque de Moussa. Aujourd'hui, Lamine Sanogo et ses invités nous ramènent justement dans les stades où l'on retrouvait ces hommes chauds bouillants qui supportaient ces équipes, qui sont donc en voie de disparition. La génération Niawa Kwin, Gabi Cho, vieux mimo passé, que se passe-t-il pour ces hommes? Peut-être que cette race est en train de disparaître. Allons le savoir, il nous en parle. Moi, je pense que c'est parce que actuellement, bon, les équipes ne jouent pas bien, surtout la SEC, l'Africa et autres là. Quand tu vas au terrain, tu ne vois pas l'engouement. Il n'y a plus de bons jeux. Les enfants qui pouvaient faire le jeu avant, ces supporters-là se donnaient à cœur pour supporter ces équipes-là. Mais aujourd'hui, rien, plus rien. Ce n'est pas à cause de ça. Mais c'est à cause de ça. Les mendiants et tout ça. Les supporters-là vont supporter. Le problème de l'Afrique, il faut laisser ça là. Africa, moi, je parle des supporters. On est en train de parler d'argent. Des supporters. C'est l'argent qui avant, fait le football Bamba, actuellement. Les Bamba, Africa n'a même pas de terrain d'entraînement. Africa n'a même pas de terrain d'entraînement. Sautera les a chassés à Port-Boué. Ils vont s'entraîner où? Ce qui veut dire que les supporters ne savent pas où ils vont partir s'entraîner. C'est ça. Mais hé, la SEC. Africa, c'est un club qui doit être en 4ème division. La SEC a un terrain. Africa, c'est pas un club. Avant, le président donnait les moyens à ces personnes-là, au Bamba et autres choses, à Niawa. C'est-à-dire que la SEC ou l'Africa donnait les moyens à ses supporters qui représentaient l'équipe. Vous savez, pour construire une bonne maison, c'est la fondation. Hein. Depuis mon enfance, on ne met pas d'Africa. Africa n'a pas de fondation. Africa n'a pas de test. Celui-là vient son test. Aujourd'hui, la SEC, par exemple. On ne peut pas comparer la SEC à l'Africa. Pas... Africa et puis la SEC, c'est matin et minuit. Oui, mais on parle des supporters. On est en train de parler des supporters. On ne parle pas de l'équipe. Mais on parle des supporters. Les supporters. C'est le fond. Les supporters. Les Yawa. Les Yawa. Les Bamba. Quand on dit un match à SEC Africa, par exemple, il y avait un supporter de la SEC. Le sous-préfet. Il y avait Mademoiselle. Voilà. Oui. Toutes ces personnes. Il y avait Mimo à Bobo ici au 14e. Voilà. Toutes ces personnes. N'a plus de joueurs. Africa valorisé la SEC. Quand on dit qu'il y a le match à SEC Africa, quand on voit ces supporters-là dans la rue, on sait qu'il y a un match. Mais aujourd'hui, il n'y en a plus. Voilà. Moi, je dis avant. C'est parce que l'Afrique n'a pas de centre de formation. Le président donnait les moyens à ces supporters-là de valoriser leur équipe. L'Afrique n'a pas un vivrier sportif. L'Afrique n'a pas un vivrier. C'est parce que les présidents ne donnaient pas les moyens. Quitter à Niamey et puis aller regarder une défaite au stade. L'Afrique n'a pas de joueurs. C'est quand on voit les supporters qu'on va voir la victoire. Mais il n'y a plus ça là. C'est le spectacle qu'on voit les supporters. Mais on ne comprend plus les moyens. Comment les supporters seront dans les stades? Les joueurs de l'Afrique jouent en équipe nationale. Est-ce que tu peux citer un? Mais c'est parce qu'ils ne sont pas talentueux. Oh, dans les années 90, la majorité des joueurs qui jouaient à l'équipe nationale, c'est eux qui portaient les maillots de la SEC et de l'Afrique. Donc, ils sont plus talentueux. Ils sont plus talentueux. Des joueurs talentueux. Non, ils sont des footballeurs copiés. Donc, à cause de ça, il n'y a plus de grands joueurs. C'est une cause. Mais il n'y a plus de cause. Voilà, c'est ça. Il n'y a pas de cause. C'est pas le fait que la SEC ou bien l'Afrique et autres, l'Afrique n'a pas de terrain que les supporters. Moi, je dis que les présidents ne valorisent pas ces supporters. Ils ne leur donnent pas les moyens comme avant. On donnait les moyens à Bamba, à Niawa, à Sous-Préfet et autres. C'est parce qu'ils savaient. Ceux-là même donnaient leur argent, leur corps. Pourquoi? Parce qu'il y avait le bon jeu, comme l'autre l'a dit. Paye ton transport aller au stade, tu sais que tu vas assister à une belle rencontre. Même si on te gagne, tu sais que ton équipe a prouvé. Mais on a que des petits joueurs qui n'ont même pas de niveau. Foot Inter, Fernand
Kouakou. Allez, avant justement Foot Inter, il est bon de se rappeler ces grands hommes qui ont justement fait la fierté du football africain, mais aussi continental, et surtout ses supporters dont parlait à l'instant Lamine Sanogo et ses invités. Je le rappelle, ils sont assez nombreux, Viemimo, mais aussi Gabi Cho, Niawakwin, et puis un autre Dakoury Newa Martin, lui, grand tambourinier de son état. Il était justement à la présidence de la République depuis tous les jours, malheureusement. Depuis donc le 1er avril, il nous a quittés, créant ainsi donc un autre vide après donc le départ de ses prédécesseurs. On espère simplement que la Côte d'Ivoire retrouvera encore d'autres grands supporters qui pourront donc consacrer leur vie entièrement au sport et au football pour faire plaisir justement à tous ces hommes et femmes qui prennent d'assaut les gradins chaque fois qu'il y a un match dans nos stades. On poursuit notre parcours et Valentin Kouassi l'a déjà indiqué. Foot Inter à présent, mesdames, messieurs, c'est ici qu'on commence. Mondial Qatar 2022, l'ancien numéro 1 de la FIFA sort de sa réserve et propose que l'organisation soit réattribuée. Sepp Blatter a confié récemment au quotidien allemand Bild qu'il serait préférable de retirer la Coupe du Monde 2022 au Qatar pour la confier à un autre pays. Dans ses choix, les États-Unis figurent en première ligne. Blatter estime que les États-Unis constituent donc un bon candidat de substitution, d'abord parce qu'ils disposent donc d'infrastructures, car ils vont organiser déjà la Coupe du Monde 2026 avec le Mexique et le Canada, mais aussi ce pays a déjà organisé la Coupe du Monde de 1994. Et l'ancien numéro 1 de poursuit pour dire que d'autres pays peuvent également être désignés, notamment le Japon, mais aussi l'Allemagne. S'agissant justement de l'Allemagne, c'est Blatté, c'est très vite ravisé, parce que pour lui, l'Europe a déjà abrité l'édition 2018 à travers donc la Russie, et donc ce ne serait pas logique que l'on reste deux fois de suite en Europe. Un tour au Brésil, et là on parle encore de lutte contre le coronavirus. Zico et la Seleção de 1982 se mobilisent pour les favelas. Ils ont donc lancé un appel aux dons pour venir en aide aux habitants des favelas. Les dons seront donc reversés à la centrale unique des favelas, association qui œuvre en faveur donc des quartiers pauvres où s'entassent un quart des habitants de Rio de Janeiro. Et très donc densément peuplé, les favelas sont particulièrement vulnérables en temps de pandémie de coronavirus. Et donc Zico et ses amis espèrent simplement que ces nombreuses familles pourront donc bénéficier du soutien des uns et des autres dès l'instant où, de façon économique, ils sont très très démunis. On poursuit avec le combat contre le coronavirus et nous sommes en Italie où justement les équipes de Serie A seront testées très bientôt puis isolées pour préparer la reprise de la saison. Hier mercredi, la Fédération italienne de football a recommandé que les joueurs et les staffs des clubs de Serie A soient testés pour le coronavirus puis isolés dans les camps d'entraînement lorsqu'ils prépareront donc la reprise de la saison. Cette recommandation va donc figurer parmi les lignes directrices élaborées par la commission médicale de la Fédération italienne de football, ainsi afin donc que la saison suspendue depuis le 9 mars en raison donc de l'épidémie de coronavirus puisse redémarrer en toute sécurité. La FIGC espère que l'entraînement pourra donc commencer immédiatement après donc la fin de l'actuel confinement qui est donc prévu pour le 3 mai. L'Italie a été l'un des pays les plus touchés par l'épidémie et des joueurs de plusieurs clubs de Serie A ont été infectés. Il est bon de signaler que la Fédération italienne s'est donc déclarée déterminée à terminer la saison, bien que certains clubs souhaitent qu'elle soit annulée. Direction la Belgique, pas d'événement de masse avant septembre
Dans ce pays, pour raison de Covid-19, les mesures de confinement en vigueur en Belgique depuis donc la mi-mars pour contenir la pandémie de coronavirus sont prolongées jusqu'au 3 mai inclus et aucun événement de masse ne pourra donc être organisé avant le 31 août, a donc annoncé hier mercredi le Premier ministre de ce pays, M. Sophie Wilmès. De facto, cette décision rend donc impossible la reprise du championnat de Belgique de football et le début donc de la prochaine saison devrait se dérouler à huis clos, a donc déclaré le ministre de l'Intérieur, Peter Dukrim. Le conseil d'administration de la Ligue Pro, de son côté, avait déjà suggéré début avril de mettre fin donc au championnat actuel, une décision qui devrait être officialisée par l'Assemblée générale des clubs pro le 24 avril prochain. Et il est bon de rappeler que le FC Bruges, en tête donc de classement actuel, devrait donc être officiellement titré et qualifié pour la phase des poules de la prochaine Ligue des Champions. Toujours dans ce pays, Anderlecht a donc repris les entraînements sous contrôle policier alors que donc la Jupiler Pro League est officiellement terminée sur base d'un avis du conseil d'administration, une décision donc qui du reste doit être donc entérinée par l'Assemblée générale des clubs le 24 avril prochain. Le club belge le plus donc titré a toutefois opté pour la reprise des entraînements. Anderlecht explique que le terrain est divisé en plusieurs compartiments, que chaque joueur dispose de sa zone et de son propre ballon et qu'il est donc interdit de quitter cette zone et de se faire donc des passes. On espère simplement que Anderlecht aura donc raison des autorités, sinon, messieurs, la décision de reprendre les entraînements maintenant n'est pas indiquée. On revient en Afrique avant donc de partir pour la zone mixte. Mesdames, messieurs, les réseaux sociaux désormais font partie du quotidien des clubs et surtout du sport. Et à ce jeu, c'est donc Al Ahly qui est leader en Afrique. Le Raja Casablanca écrase un autre club, le WAC, Wydad Athletic Club, mais aussi le tout puissant Mazembe est mal placé justement dans cette grisaille. Depuis donc mardi, Digital Sport Africa a donc révélé son étude menée sur les clubs africains les plus populaires sur les réseaux sociaux, avec 27 millions de fans cumulés, Facebook, Twitter, Instagram. Le club égyptien Al Ahly écrase donc la concurrence, à commencer par son rival le Zamalek, qui est deuxième et très éloigné d'ailleurs, avec seulement 12 millions de fans. Il est aussi bon de dire que d'autres clubs égyptiens, notamment Pyramide et autres, font partie également de cette grisaille de clubs assez cotés. Mais justement, l'ASEC Mimosa aussi se pointe à la 29e position. Voici un peu le tableau présenté par Digital. Premier donc Al Ahly avec 27 millions. Deuxième Zamalek, 12 millions. Troisième Raja, club athlétique du Maroc, 6 millions de fans. Et puis l'équipe de l'Afrique du Sud, Kaizer Chiefs, arrive en 4e position, 5 millions. L'équipe de Orlando Pirates d'Afrique du Sud également, 4 millions de fans. 3 millions de fans pour l'équipe de Pyramide FC d'Égypte. Le Wydad Athletic Club du Maroc est 7e avec 2 millions de fans. Simba Sporting Club de Tanzanie, 8e avec 2 millions de fans. 2 millions également pour 1 million pour le club africain. Et puis l'équipe de FC Mars est classée 10e avec 1 million de fans. Et toujours dans cette grisaille, il est bon de dire que des clubs tels Mamelodi Sundowns occupent la 11e place avec 1 million et quelques 827 000 fans. L'équipe de Al Masri est classée 12e. 13e, Azam FC. L'équipe de l'Espérance Sportive de Tunisie arrive en 14e position avec 1 688 000 fans. Et puis l'équipe de l'Étoile Sportive du Sahel est 15e. 16e, Young African Sporting Club. Le Maghreb Athlétique de Tétouan est 17e. 18e, Wydad Degla. L'équipe de Ismaili est 19e, 20e, tout puissant Mazembe de Lubumbashi. Al-Hilal du Soudan est 21e, 22e, Primeiro Agosto de Angola. Super Sport United est 23e, 24e, l'Ajax et Cape Town qui occupe donc ce rang. 25e, Cape Town City également avec 446 000 fans. L'équipe de Klaus Fassien arrive en 26e position, 27e, Asante Kotoko. 28e, Accra SFOC. Et puis la SEC Mimosa arrive en 29e position avec 347 000 fans.
L'équipe de US Alger est donc 30e. On retrouve totalement au bas donc du classement l'équipe de Platinum Star d'Afrique du Sud qui est donc 50e. Léopard AC est 49e. Oroya 48e. Voici donc qui permet ainsi à la SEC Mimosa de savoir que dans cette grisaille de difficultés pour récolter les supporters, la SEC peut se targuer d'avoir réussi un autre challenge, celui donc d'aller se positionner sur la toile dans le top 50 des clubs les plus populaires d'Afrique. Valentin Kouassi, monsieur, même si vous êtes en zone noire, prenez la direction de la zone mixte. C'est ici maintenant, 20-21-44-48, 20-20-87-87. Zone mixte, le mini débat. Pour les prochains Jeux Olympiques qui vont se dérouler à Tokyo, la FIFA, après donc la décision du CIO et le Japon de reporter l'événement en 2021, la FIFA a donc décidé que les sélections qualifiées pour ce qui concerne donc le football puissent conserver les trois joueurs de 23 ans qui étaient donc sur les différentes listes des différentes sélections qualifiées, de les conserver puisque ces joueurs auront 24 ans en 2021 de les conserver, mais ensuite il faudra aussi, la FIFA autorise aussi que ces sélections-là puissent encore recruter trois autres joueurs qui pourront donc constituer un bon vivier. Cela donc va amener les sélections à avoir six joueurs de rang qui pourront donc renforcer leur équipe olympique. Pour vous, quelle est donc votre appréciation de cette décision? Mais surtout en ce qui concerne les sélections africaines, qu'est-ce que l'on doit faire? Faut-il donc tout chambouler ou s'appuyer justement sur cette décision pour se renforcer davantage? Nous sommes à Biankouma. Monsieur Denis Siagbe, bonjour. Bonjour, cher ami. Bien réveillé ce matin, nous espérons. Ah, absolument, sauf que le temps est quelque peu brumeux à Biakouma ce matin. Vous hein, beaucoup plus hier. Vous en faites pas. S'il y a un temps assez glacial, ce serait donc assez heureux pour vous, parce que nous, on en demande ici à Abidjan. Allez, dites-nous, monsieur Denis Siagbe, quand la FIFA prend une telle décision, celle donc de permettre aux sélections de conserver les trois premiers joueurs âgés de 23 ans, qu'on a donc autorisé à jouer les Jeux Olympiques, et ensuite de pouvoir donc prendre trois autres joueurs de 23 ans, pour vous, est-ce que c'est une bonne décision? Une très très bonne décision, il faut le dire, cher ami. Parce qu'en fait, ce n'est pas la faute de ces joueurs-là. Hein. Si le coroner est venu attaquer le monde, ce sera vraiment une injustice que ces joueurs-là soient éliminés pour une question de 12 mois de plus. Je pense que la FIFA a été très très sage dans cette décision. En plus, le dernier volet de votre préoccupation, à savoir renforcer les sélections, moi, je pense que concernant la sélection ivoirienne des U23, vraiment le parcours des poulains du coach Soilo Aïdara a été vraiment excellent. Ce n'est pas la peine d'aller chambouler ce groupe-là. Il faut le maintenir. La mayonnaise a déjà pris. Il faut plutôt, comme la dernière fois, l'État a parlé de mettre à disposition de ses formations le fonds qui était destiné à la préparation. Il faut leur donner ce fonds-là pour qu'ils se regroupent régulièrement et que véritablement le groupe soit soudé en 2021. Donc pour vous, en ce qui concerne la Côte d'Ivoire, il faut conserver le noyau actuel et puis bon, aller chercher encore trois autres joueurs qui auront 23 ans et qui sont peut-être en sélection A pour venir renforcer l'équipe olympique, c'est ça? Absolument, c'est ce qu'il veut. Merci monsieur Denis Siagbe, donc depuis Biankouma, très bonne journée à vous et puis surtout, priez Dieu que le soleil commence à pointer du nez pour que vous puissiez avoir un peu chaud, hein, c'est ça? Allez, nous sommes à Didier Vie, c'est précisément dans le village de Pebo-1. Monsieur Serge Konankwaku, bonjour. Bonjour monsieur. C'est un plaisir de vous retrouver. Dites-nous, quel est votre commentaire sur cette décision? Bon, moi je crois que cette décision-là est très bonne quoi. D'accord. Donc, le cas continue bon comme ça. D'accord. Mais alors, dans ce cas-là, en ce qui concerne l'Afrique, parce qu'on a des pays qualifiés pour les Jeux Olympiques, qu'est-ce qu'on fait, notamment la Côte d'Ivoire? Bon, on doit sélectionner les bons joueurs, quoi. Au moins les 26-23, là, donc on doit les choisir aussi. Donc, au moins, cette décision est bonne. D'accord. C'est bien noté. Merci. Très bonne journée à vous. Allez, merci donc de participer à ce temps d'échange sur Radio Côte d'Ivoire à travers la zone mixte 20-21-44-48, 20-20-87-87. Messieurs et dames, c'est à vous de pouvoir composer ces deux numéros. Valentin Kouassi se charge de vous enregistrer. Moi, je change avec vous et puis vous donner votre point de vue.
Nous sommes à Maple, monsieur Alain Koffi, bonjour. Oui, bonjour Fernand Kouakou. Nous vous écoutons. Oui, en tout cas, merci pour vous, en tout cas pour cette émission. Merci. Alors, il faut dire que le report des Jeux Olympiques en 2021, en tout cas, c'est une bonne chose. En tout cas, juste pour permettre en tout cas, aux athlètes de se préparer par rapport à 2021. Alors, en plus de ce report, la FIFA a décidé que les sélections qualifiées puissent garder les trois premiers joueurs âgés de 23 ans qui étaient autorisés à rejoindre l'équipe olympique, puisque ces joueurs-là, en 2021, vont avoir autour de 24 ans. C'est donc déjà un acquis pour ces sélections. Et puis, la FIFA dit encore que ces sélections sont autorisées à recruter trois autres joueurs de 23 ans qui pourront donc venir en bonus dans ce groupe. Pour vous, est-ce que cette décision est bonne? Et si elle est bonne, au niveau de l'Afrique, qu'est-ce qu'on doit faire? Fernand Kouakou, je pense que cette décision, elle est bonne. Voilà. D'accord. C'est bien noté. Merci à vous. Très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire. Merci et puis restez donc toujours scotchés. Merci à vous et puis surtout, bon pied, bon oeil. Nous, on revient à Abidjan. Kokodi Tanga, monsieur Honoré Kona, bonjour. Bonjour, monsieur Félin. Ah oui, ce matin, on sent que vous avez quelques douleurs un peu par-ci, par-là. Vous en faites surtout pas. Faites des étirements, ça pourrait aller. Ok. Merci, nous vous écoutons. Ouais, moi, je crois que c'est une bonne chose. D'accord. Il ne faudrait pas que le groupe qui s'est qualifié là... Et pour quel pays? La Côte d'Ivoire. Ah, d'accord. Je suis ivoirien. Ah, ok, d'accord. Non, non, je ne savais pas, excusez-moi. Pour le groupe qui s'est qualifié, oui. Qu'on les maintienne, et puis bon, on cherche trois autres, comme la FIFA l'a autorisé, oui. Qu'on cherche trois autres pour les compléter. Parce qu'il ne faudrait pas qu'on vienne mélanger les Africains, s'ils sont battus, s'est qualifié là. On va enlever Pierre, on va les portes, comme ça va chambouler un peu le groupe. D'accord. Donc il faut que ce groupe-là soit maintenu, qu'on leur donne les moyens de se préparer, et puis on prend trois autres pour les compléter, ça sera une très bonne chose. Voilà. C'est bien noté. Merci à vous, M. Honoré Kona, depuis donc Kokodi Danga. Justement, en quittant Kokodi Danga, on arrive au plateau. Ici, notre infirmerie travaille d'arrache-pied. Bienvenue là pour le contrôle. Valentin est passé. Moi, je passe également au pistolet. Le temps donc qu'on dise bonjour à M. Yoboué Kofi. Bonjour. Bonjour. Ah, 36-4, bienvenue, merci. Monsieur Yoboué Kofi, vous en faites pas. Il habite la Riviera Bata. Je vous informe que je me sens bien. Pour l'instant, bienvenue du service médical de Radio Côte d'Ivoire. Je viens donc de passer le pistolet. Ça va, je fais 36-4. Voilà, vous, c'était combien là? Merci donc au Major Raboya et Miskou et Bambay également, bienvenue, qui sont là tous les jours pour le contrôle depuis 6h30. Elles sont là et même quand vous êtes en studio, on revient pour voir un peu la température. Merci à vous, messieurs. Monsieur Yoboué, nous vous écoutons, oui. En prison. Bonjour. Allez-y. Oui, je crois aussi que c'est une très bonne décision. D'accord. Une très bonne décision de la part de la FIFA, parce que là, imaginez, comme si on faisait le film. Oui. Vous voyez, ça fait trois joueurs de plus de 23 ans. C'est, oui, comme si on venait en renfort pour dire exceptionnellement, cette année, on prend six joueurs. Oui. Voilà, et donc quand on prend six joueurs, si d'aventure des joueurs qui étaient sur la liste et n'arrivaient plus à donner une bonne performance, on pouvait les rattraper et puis fouiner un peu, voir dans nos championnats qui étaient à l'arrêt, voir ceux qui vont éclore un peu pour pouvoir renforcer ces équipes olympiques-là. Et pour la Côte d'Ivoire, je crois que ce ne serait pas une très mauvaise idée. Hein. Ça va nous donner d'autres prospections. Ça va renforcer vraiment notre équipe. D'accord. C'est une très bonne décision. Une très bonne décision. Alors justement, est-ce que pour nous, la Côte d'Ivoire, est-ce qu'il faudra tout chambouler ou faudra maintenir le groupe actuel et puis le renforcer? Chambouler, c'est trop dire. Est-ce que nous-mêmes, on a des pions même qui sont en train de prospérer pour pouvoir chambouler? On est obligé de se baser sur le noyau qui existe déjà, parce que chambouler veut dire qu'on a beaucoup de performeurs qui vont taper à la porte, alors que nous, à part ce noyau-là qui est là, qui a été conduit depuis par Soalio, moi je ne vois pas d'autres qui sont en train de bousculer la hiérarchie là-bas. Donc, il faut maintenir donc l'effectif actuel. C'est bien noté. Merci à vous. Très bonne journée. Avant donc de quitter les auditeurs, prenons la direction de Yamoussoukro. Retrouvons M. Kwadi Ongben. Bonjour. Yo, Amin, tu quoi? Ça va. D'accord. Nous vous écoutons. Merci. Ben, moi, je pense que ça a été une très bonne décision. Oui. Seulement que je voudrais que M. Soalio soit toujours en contact avec ses enfants-là. D'accord.
pour qu'ils aient toujours une condition de vie sportive. Parce que quelquefois, quand, surtout avec la pandémie, là, ils peuvent se laisser aller à d'autres pratiques. Et puis quand le mois va arriver, ça va être un peu compliqué. Donc, ils gardent leurs conditions de sportif. D'accord. Voilà le peu que je voulais ajouter. Merci à vous. Très bonne journée. Et puis, à Moussoukro, M. Kouadiongbe. Et puis, surtout, restez à l'écoute des programmes de Radio Côte d'Ivoire. Direction nos consultants. Chaleur, demandez bonjour. Chaleur, quelques difficultés pour l'avoir. Où c'est Israël? Bonjour. Bonjour, Fernand. Comment ça va, coach? Ça va très bien. Allô, Chaleur, on vous retrouve. Bonjour. Bonjour. Comment vous allez? Oui, ça va très bien. Ça va très bien. Monsieur, vous m'accordez juste deux minutes, le temps donc de faire un tour sur la toile, et puis je reviens à vous juste dans un instant. Monsieur Blaise Kouassi nous écrit ceci. À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, voilà le commentaire que je peux faire face donc concernant donc la décision prise par la FIFA. Merci à vous, monsieur Blaise Kouassi. Il a donc dit que pour lui, c'est donc une très bonne décision. Monsieur Brice Arnaud Kwame nous dit que la FIFA a pris donc une bonne décision parce que la santé est prioritaire avant tout, la santé d'abord. Et puis, monsieur Lee, messager Eric, lui nous dit ceci. La décision est très bonne et je pense bien que cela va donc maintenir nos joueurs à cet âge, de pouvoir donc bénéficier et de donner une à leur équipe. Bon, on espère simplement qu'ils vous l'aient dit, qu'ils vont donc apporter quelque chose à leur équipe. Merci à vous, M. Lee Messager, qui a donc écrit également. M. Bertin Tola nous dit, c'est une bonne décision. J'attends de notre pays une participation honorable, finir au moins sur le podium. On espère que tout se passera bien pour la Côte d'Ivoire. M. Konan Guillaume Dien nous dit ceci, je pense que cette mesure exceptionnelle vient s'ajouter à cette chaîne de solidarité initiée depuis donc les débuts de cette crise sanitaire. Voici donc des mesures qui surmotiveront cette tranche d'athlètes concernés. Et puis, M. Bosson à Sérémy, lui dit ceci, personne n'a prévu donc ce bouleversement de programme dû au Covid-19. Alors, il faut être souple et surtout tolérant dans les prises de décision. La FIFA a bien compris. Et elle traduit cela à tous les participants. C'est une très bonne chose. Il appartient donc aux sélections africaines de se préparer sérieusement pour affronter cette compétition dans de bonnes conditions. Monsieur Servet Apôtre Mambé nous dit ceci, à mon humble avis, cette décision n'est pas mauvaise en soi. La FIFA veut simplement maintenir nos athlètes en forme et en bonne santé, c'est bien. Voilà, merci donc à vous, monsieur Servet. Et puis, Rufine Sango, c'est une dame. Bravo à vous, mademoiselle ou madame. En tout cas, merci d'avoir participé. Elle a dit, je vis donc au Gabon. Je suis venu faire un témoignage pour vous dire que le travail est bien fait. Allez, merci donc à cette dame qui nous dit félicitations. Merci à vous et puis surtout, très bonne continuation, chers amis internautes. Il se nomme Moussou Israël, c'est donc l'entraîneur de l'entente sportive de Benjerville. Il est confiné, mais il travaille toujours avec la Côte d'Ivoire. Coach, quelle est votre appréciation face à cette décision? Ben écoutez, Fernand, je pense que c'est une décision qui est largement mûrie et qui est logique par rapport à la situation. Maintenant, est-ce que ça résout tous les problèmes? Je dis non, parce que logiquement, la sélection s'adapte en fonction des hommes du moment, des hommes qui feront l'affaire dans le moment. D'accord. Donc après je me dis que il y a peut-être des possibilités parce que selon moi le sélectionneur avait déjà des vues sur certains joueurs pour renforcer le groupe qui a été vice-champion en Égypte. Donc on peut apprécier cette décision de la FIFA de manière positive. Alors, en ce qui concerne donc nos sélections, est-ce que vous qui êtes entraîneur, si vous étiez à la place de Choya et Dara, qu'est-ce que vous feriez? Est-ce que ce groupe qui est là, vous allez le maintenir? Les trois qui étaient au départ choisis pour aller avec vous au JO, est-ce que vous allez les conserver et puis prendre trois nouveaux joueurs ou est-ce que vous changez tout le groupe? Je pense qu'il y a un groupe qui est préparé pour l'événement. Oui. Donc, logiquement, c'est de suivre, c'est d'avoir un suivi de ces joueurs. Après, je pense qu'il y a des secteurs qu'il va falloir peut-être renforcer. Donc, je pense qu'il y réfléchit. Pour avoir parlé avec lui, je pense qu'il y réfléchit. Maintenant, les joueurs
qui était ciblée pour renforcer. Je pense qu'on va aller dans la logique. Il y a toute une saison encore qui arrive. Donc, ils vont être observés, vont être suivis. Et en fonction de leur performance, si ça nécessite qu'on garde ces personnes qui étaient pistonnées pour renforcer le groupe. Et si on a la certitude qu'ils ont la forme qu'il faut, pourquoi pas. Mais sinon, s'il y a la possibilité d'avoir d'autres personnes, même qui ont 24 ans et qui sont performants, qui peuvent renforcer le groupe, voilà, il le fera. Mais je pense que la base sera conservée. C'est des joueurs qui seront suivis, c'est des jeunes joueurs qui, pour certains, qui jouent en club, en équipe A. Donc, il va être suivi et puis je pense qu'il va garder sa base. D'accord. Merci, coach Israël. Je voulais demander, dites-nous, quel est votre commentaire face à une telle décision de la FIFA qui, en tout cas, on peut le dire, permet aux sélections de pouvoir se renforcer davantage? Oui, écoutez, je pense que c'est une très bonne décision, mais la FIFA s'est appuyée sur l'article 27 de ce règlement. Qui évoque le cas de force majeure. Et là, on est dans un cas de force majeure. Personne n'a prévu cette pandémie-là. Donc, la FIFA a pris une très bonne décision de maintenir les joueurs nés après le 1er janvier 1997 pour permettre de participer au tournoi. Donc, maintenant, l'inquiétude, quand je prends l'exemple de la Côte d'Ivoire, où il y avait une bonne génération de très bons joueurs. On les a vus à la CAN U23 en Égypte en novembre dernier. Est-ce que ces joueurs-là, dans un an, auront la même forme? C'est là l'inquiétude. Sinon, cette décision-là est très bonne. Est-ce que Inaka, est-ce que Ouattara Zié, est-ce que Degao Issoufou, Doumbouya Baka Junior, pour maintenir, auront toujours cette même forme-là dans un an? Moi, c'est voilà mon inquiétude. Sinon, dans le fond, c'est une très bonne décision de la FIFA. Alors, qu'est-ce que vous préconisez en 30 secondes? Écoutez, bon, ça va dépendre. Maintenant, c'est au sélectionneur de voir. Parce que si c'est vrai qu'un joueur qui a participé aux éliminatoires en Égypte n'est pas performant, n'est plus performant, connaît une perte de forme. Mais je pense qu'il va falloir le remplacer. Parce que là, c'est pas en fait plaisir à quelqu'un parce que tu as participé au tournoi du Caire et que tu es en meilleure forme qu'on va te caser dans l'équipe. Non, une équipe nationale, c'est les joueurs en forme du moment. Allez, merci donc, Charlie Dumandé. Merci à vous et puis merci également à vous, Israël. On va se retrouver demain pour un autre parcours sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. On s'arrête ici pour ce numéro. Merci également à tous ceux qui nous suivent. Merci également à Valentin Kouassi et qui a été donc soutenu par Miss Koulibaly Aïssata. Hein? Allez, on se porte bien. Demain est un rendez-vous, n'est-ce pas? Allez, et puis Yako, à une sportive, Bama de Touba, qui a donc perdu son cousin dans la nuit d'hier à aujourd'hui. Yako, à toi, cher frère. Et puis surtout, courage. Dieu lui accorde le repos de son âme. Allez, on s'arrête là. Ciao et puis à demain.